Bienvenue dans une autre émission de Ksari Web TV, une émission de rencontre. Donc, on vous a habitué tout le temps à voir une personnalité de la communauté, une personnalité qui faisait partie de cette communauté, qui a fait des choses au niveau de la communauté, soit dans plusieurs domaines, soit au niveau du bénévolat, au niveau des médias, au niveau des artistes, etc. Cette fois-ci, on vous revient vraiment au début des années 90. On revient avec un invité un peu spécial, un invité qui a commencé, disons que c'est le premier qui a fait un média communautaire. Ce média, qui était après dans les années 90, a été fait par une personne qui était déjà comédienne en Algérie, qui a fait de la comédie, etc. Je pense que la meilleure façon de voir, comme on a l'habitude, c'est que cette personne-là se présente d'elle-même. Donc moi, je nomme Monsieur Rachid Ouali. Rachid, Salam Abdelkader. ça va, c'est best? Alhamdulillah, Outa. Ah, comme on dit, on roule ce qu'on peut rouler. En pause. Oui. Rachid. Juste pour dire, qui est Rachid? En général, tout le temps, c'est Rachid que se présente. Rachid, c'est mon vrai prénom. Mon nom, c'est Wadi. Je suis un citoyen algérien né dans le petit village de Bodorine à Alger en 1949. L'Aïdark. Donc j'ai grandi à l'âge de 4 ans et demi. Mes parents m'ont fait entrer dans les Assamas. À l'époque, c'était les scouts musulmans algériens. J'étais mogli. Bon, j'ai grandi dans les scouts. Et c'est là que c'est venu avec l'indépendance. Il y avait une grande fête et puis nous, dans le local, on nous a demandé de faire des sketchs, des chants, etc. Moi, j'ai choisi de faire un sketch avec deux amis. Le sketch, il s'appelait Le Cireur à l'époque. Est-ce que c'est une reprise ou c'est Non, 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 création? c'est quelque chose qu'on a inventé entre nous. Création, donc. C'était des enfants. C'était un cireur qui cirait, il n'avait pas d'argent, il gagnait son argent en cirant les chaussures des autres. Donc, Zamahna, on l'a ramené le scoutisme. Alors, le scout, t'kber, et puis on va t'aider, tu vas apprendre des choses, et Inch'Allah, tu vas avoir un travail meilleur que ça et plus propre. Et c'est de là que ça a commencé le théâtre. Et puis en 1967, il y avait une fête et une pièce de théâtre dans le quartier de Hassel Hassani avec son équipe, Allah yarhamo. Je regardais la pièce et puis je voyais les comédiens qui jouaient. Je dis, bon, moi je peux faire ce rôle. Ce qu'ils jouent là, je peux le faire. Je peux le faire. Entre-temps, j'étudie aux Beaux-Arts d'Alger. J'ai tout lâché, je suis parti au local de Hassel Hassani, Allah yarhamo. Ils étaient sur le boulevard Emir Khaled à l'époque. Habat Belkortab, salam alaikum, qalu alaikum salam, Tousi Hassan, شفت الرواية اللي درتوها عندها واحد 4 أيام. قلت وانا حبيت نولي ممثل، وكل الممثلين اللي كانوا يلعبوا قلت له نقدر ندير الدور ديالهم. قال لي كيفاش هذا؟ انتقى عمر وحدة على ليبوك كان معاه. أي. قال لي اروح اروح انت لهنا. رحت شفته. إما دوني ان بتي تكست. قال لي هاك اقرا هذا. بون جو ليزي. اي بي مي بارلي اي جو بارلي قال لي نتكلموا كل رانا نديروا روايه ورانا نلعبوا. يهدر ونجاوبو يهدر ونجاوبو ومن بعد بون
حسن قال لي نخمو شويه ونشوفو. قلت له شوف تقبلني. صح ما تقبلنيش هاو الكرطاب هذا نرميه. ثم ما نحوش على المسيب، ما نحوش نقرا. قال لي تقرا وليدي وتولي انسان. قلت له لا يا اخي. قال لي صح نجربوك. قعدت وقيلا 3 جوغ اي بي يابي ان بتي سكاتش على تيلي كون دوفي تورني اي سولوي كي دوفي جوي il était tombé malade, il ne pouvait pas venir. Donc c'était ta chance. Donc je l'avais remplacé comme écolo à pied levé. Je connaissais déjà tout le texte. Alors quand j'étais sur scène, wallah ya Abd Qadir. نهضر والطابله اللي كنت قدامها. Oui, c'est le track, non? Je te jure. C'est le track. Hein? Il y avait pas d'intonation, j'avais pas de. C'est juste le tremblement. Bon, je sais que tout le monde s'était rendu compte, mais personne n'a rien dit, peut-être par respect. On a continué, deux mois plus tard, on a fait une autre pièce qui a fait un succès énorme en Algérie, il y a Tigoul ou Tigoul Pak. Ouais, ça c'est la fameuse... Mme Staffel ouais. Anqallah Yarhamou. Ouais, ça c'est Hassan Hassani, ça fait fureur, hein. Et la pièce a dit qu'il paraît qu'il a écrite en 1945. Hassan Hassani? Oui. Il était à Brouagia. Mais nous, on l'a joué partout. Et puis on l'a tourné, elle est passée à la TV à Alger, elle est passée à la télé à Oran, parce qu'on l'a tourné avec la télévision oranaise. Et ça continue. Donc ça c'était tes débuts. Donc tu as commencé par, comme on dit, tu es rentré par la petite porte. Donc ce qui fait que entre temps tu as appris, tu as remplacé, tu as commencé à faire des tournées. Ok. Oui. Est-ce que tu as travaillé au niveau de la télévision? Non. Oui. بعد جيت تخافيت مام اتيتخ انديفيديوال على تيلي مع عبد الغني مهداوي الله يذكره بالخير دايوغ سيتي مون امي اي لا يدفي ان بريتاني ان فرانس مي يا يو ان ايبيزود جون سي با سي اون بو ان بارلي فازي اسكو تي فو لهاك كانوا يقولوا بلي لا سيكوريتي ميليتير الفي با مال و الاتي بور لو باب مي موا جدي الكونتخيغ باسكو ال ما في مال ال ما فات سوفخيغ ال ما ال ما تورتوري سا سيتي بوندون سيت بيريود لا ان 83 يابي ال كيفاش يقولوا لا غريف دي زيتيديون 60 67-68, bon, on a été tabassé par la police. À l'époque, j'avais repris dans une interview à la télé une phrase de l'Hajj Mohamed Lankallah Yarhamou. Quand on m'avait posé une question, j'ai répondu « La Vierge à l'Istiaman, c'est qu'il m'a amel fi à l'Istiqlal. » Ça m'a coûté une détention d'une semaine. Donc ça, c'était après les années 70, comme on dit. C'était le, comment dire, juste même pas une dizaine d'années après l'indépendance. Après, est-ce que... Je pense que donc tu as fait pas mal de tournées, tu as fait... On a fait des tournées, oui. Dommage que... Bon, j'ai quitté le pays parce que je n'en pouvais plus. Ouais. Mais avant de parler de... que tu as quitté le pays, on va faire deux parties. Aussi, tu as fait du cinéma en Algérie. Non. Aïch Boutnache.
Ça, c'était des films, mais c'était pour la télé. Aïch Bathnach, c'était avec Mohamed Hilmi, Allah yarhamo. Et il y avait Aïch Bathnach, il y avait le médecin de village avec Abdelghanim Hadawi. Ça, c'est un autre film. Il y avait l'instituteur de Marcel Pagnol Ok. avec Bakhti, Allah yarhamo. C'est Belkacem le bourgeoisie, ça tout le monde l'a vu aussi. Le réalisateur, je pense que c'était Belhadj. Je crois que c'est Bachar Belhadj. Donc après ça, donc ce qui fait que tu as quitté l'Algérie. Tu es parti où? J'ai quitté. Bon. Parce que j'ai, avant de quitter l'Algérie, je suis parti à l'EMPA. Parce que la RTA, elle a été découpée après. Il y avait l'ENTV, l'ENPA, puis les radios. Moi, j'étais parti à l'ENTV. C'était. L'EMPA, c'est l'audio, c'est ça? Ouais. C'est les radios. Audiovisuel. Ok. C'était Lamine Marbah qui était DG à l'époque. Alors avec tout ce qui se passait là-bas, je ne voyais Aucun avenir. aucun avenir pour le Bled. J'ai quitté, je suis parti d'abord en Libye. Ok. Avec, j'avais un cahier de sketch pour les enfants, tout ça. J'étais à la télévision libyenne, on m'a tout pris. Et puis, Aïwa Arjabadeno. Donc je n'ai rien eu. L'argent que j'avais, je l'ai dépensé dans l'hôtel. Quand je n'avais plus de quoi payer l'hôtel, j'ai quitté l'hôtel. Et je dormais comme tous les Algériens, les Marocains, les Tunisiens. C'était au bord de la plage sur des cartons. Ça, c'est les années 80. Ouais, on appelait ça Bahar. Et après la Libye? Après la Libye, je suis revenu à Alger. Bon, j'ai dit à ma femme à l'époque, j'ai dit, ok, bon, la Libye, ça n'a pas marché, je crois qu'on va y aller ailleurs. On a pris un visa canadien et on est venu au Québec. En quelle année? En 86. 86, ça fait 32 Le ans 20 maintenant. juillet 86, j'ai déposé les pieds à Mirabel. À Mirabel, oui, le fameux Mirabel. Donc, juste pour rester avant d'aller vers le côté canadien, c'est-à-dire ton histoire du Canadien, est-ce que tu as gardé des contacts avec des amis en Algérie? Oui. Les anciens, comme on dit. Quand c'est les débuts, quand j'étais arrivé ici, je les appelais, j'appelais Lamine Marbah, j'appelais Mustapha Lanka, j'appelais Mahdawi, j'appelais Mustapha Prer, Allah yarhamo, Mohamed Ounich. Mais avec les années, on est occupé à d'autres choses parce que je cherchais du travail à tout le temps. Donc ça a été un Et peu puis difficile. j'ai commencé à faire un peu de bâtiment, j'ai fait même la peinture ici. Voilà, c'était la première partie, comment vous habituer. Dans la première partie, on parle surtout du périple ou du travail, ce qui se faisait en Algérie. Donc notre ami Rachid, il a vécu... Il a vécu à sa manière le travail de comédien, d'artiste, où il a, dû quitter l'Algérie pour la Libye, peut-être pour d'autres cieux meilleurs, pour d'autres places meilleures, mais déçu par le travail, il a tout fourni, mais il se retrouvait, au bord de la placette. Et il est revenu en Algérie, puis il a décidé qu'il devrait aller au Canada pour voir où est-ce que l'aventure
Le même. Donc, on va vous revenir juste après ce petit montage vidéo. سخني لي العشاء دوز الكوزينة اللي لا قديم شبع واش دير يا بو قل واش درتينا العشاء يا مرا شرب عدس وهذا دو كل يوم طرا تجيني بالعدس بيعتك ما تنساهاش بيعتي واش مطبيعه يا لالا صباح تخلي لي 40 دينار وكي تجي تحب نوجد لك طواجن محمد شفت كيفاش تعلمت الدرس يا حرام السلام عليكم جابك ربي قد قديش باش يشوفوا الى نعرف الاثر ولا لا لا اي حاسب بقاسم وجد روحك اولا قبل ما نبداو لازم نديرو السلم شيل نعم وحده زوج ايوه درك يا سيد القاسم شد روحك قباله ايوه كعك شرحهم شويه ايوه قبلهم بعضهم بعض قبلهم اللي يحس بالكسب ايوه خرج صدرك ايوه الفت راسك شويه الفت يديك ايوه درك يا سيد القاسم شوفوا فيا مليح واحدة زوج ثلاثة يا عبس يا سهلي أفترحك واش نرفع في روحي أنا عمس لي الكسر وهذا كيف والو يا سيد القاسم هيا نعود الصعب هيا واحدة زوج ايوه درك يا سي بلقاسم دير خطوه لورا خطوه لورا 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 يا سي بلقاسم ايوه شد روحك قباله خرج صدرك رفد راسك فد يديك ايوه رد بالك ردوا بيخم وحده زوج ثلاثه هيا بركة يا صاحب بركتي راني قلت لك يا سي بلقاسم واش قلت لي؟ قلت لك باللي الجدو عنده زوج حكمات الجدو عنده زوج حكمات نعم يا سي بلقاسم يلزم تكون خفيف يلزم نكون خفيف نعم تكون خفيف خفيف وتعرف القبضات ونعرف القبضات نعم كيما راني وريت لك لازمك تقلبو قبل ما يقلبك جاب روح سي بلقاسم والطبيب هذا هي امراه كيف الخبر هذا امراه طبيبه وعلاش لا اما لا في خاطرك انت الاطباء لازم يكونوا كلهم رجال يا راجل لا سيدي وشني هذا واش دير طبيبه هنا واش نديروا بها حسب هالبطاقات غير ولاد يجيبوهم هنايا الصغار هما اللي نعرفوا بسهوله الكبار يفضلوا يسكتوا وحده فهمنا من يسمع به لازم علينا نفهموهم وشنو هو الطب المجاني بعد هذا العشيه راني نبعث بعض الشبان يخبروا السكان تاع القريه بحضورك هنا هذه فكره مليحه وانا من جهتي نخبر الرجال يجيو الاجتماع نهار السبت بارك شاء الله فيك هيا بقاو على خير مع السلامه ربي يسهل وريني درك واش كاين دواء تفضلي انا تحت امرك راه يظهر لي باللي الناس راهم والفوك وعلاش ما يوالفونيش جا طبيب قبلي وما رضاوش به لا ما ناش نقولو ما رضاوش به ولكن راكي عارفه النوع الجديد هذا من العلاقات يعني شويه صعيب في الباديه
الثروة الثقافية هي وحدها اللي تقدر تساعدنا. عندك الحق. والملاحظة نتاعك في محلها. على كل حال كان شيء طبايع وماذا بينا يزولوا. أنا موافق، ولكن هالطبايع ما تزول غير إذا كان كل واحد منا قبل اللي غير عقليته ورضى بالواقع اللي قدامه. هذا هو الدواء. رجع بولي جولي. Rachid, on va manquer d'assiette. C'est pas vite vite aujourd'hui. Alice, hein? Aujourd'hui, tu es polie. Hein? Ben voyons. Allô, mon petit couscous, mais t'es donc bien belle. Hey, mais laisse-moi dire rien qu'une affaire. Rachid, Mohamed, Janoub, Ben Sabat, on n'achète pas Alice Dion. On la séduit. Oh non, je... Alice, une mort ne doit pas être triste. C'est autre chose. Le bon Dieu, il l'a rappelé parce qu'il l'aime. Penses-tu? Je suis convaincant. Rachid, on dit « je suis convaincu ». C'est ça. Dis encore. Donc, on reprend la suite de cette discussion. J'espère que vous avez apprécié la première partie avant qu'il vienne au Canada. Donc, Rachid, tu es venu en 86 au Québec. Le 20 juillet, 86. Je suis descendu de l'avion à Mirabel. Donc, est-ce que, c'est-à-dire que donc, tes premiers temps, est-ce que tu as cherché pour faire de la comédie ou... Non, les premiers temps, non. Parce que les premiers temps, quand on arrive, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Il faut qu'on cherche un travail pour pouvoir payer le loyer, pour pouvoir manger. Mais par exemple, je m'inscrivais un peu partout dans les castings, dans les agences. Quand ils demandaient, on demandait acteur, actrice, etc., j'allais m'enregistrer. Est-ce que tu as joué ici Oui, j'ai fait un film où j'ai fait un personnage, un premier rôle. Le film avait un titre vraiment comique, Alice au pays des merguez. Alice au pays des merguez, je pense que vous l'avez vu pendant la petite pause, sa bande-annonce. Donc ça, c'était un premier rôle. C'est, ouais. Le sujet, c'était quoi déjà? J'ai travaillé dans une autre série, j'ai fait un petit rôle. C'était Lobby en 96. C'était le tournoi, c'était à Laval. C'est quoi le titre? Lobby, une série. Ah, ok. Où je faisais le rôle d'un terroriste. Après? Plus aucune... Non, après je n'ai donc, pas fait. Voilà, donc ça c'était personnel, mais puis tu es parti... J'ai fait un autre métier après. Tu es parti vers la communauté. La communauté, c'était en 90. 90, tu es parti à la communauté et tu as ouvert le premier média communautaire qui est au niveau de la radio. Ouais. C'était quel jour déjà, l'émission? C'était bon, on n'était pas tombé d'accord sur une date, le 1er novembre, c'était la fête de l'Algérie. Mais ça ne m'intéressait pas. Et tout le monde disait que c'était trop tôt, c'était trop long, trop court. Bon, alors c'était la première émission est passée le 18 novembre, comme je l'ai dit l'autre jour, le 18 novembre 90. 18 novembre 90, ouais. C'était, elle passait le jeudi. Sur quelle chaîne? C'était Radio Centre-Ville tout le temps? Oui. À Radio Centre-Ville. 103.2 FM. 102.3 FM. C'est ça, c'est 102.3 FM. Ok, c'est Radio Centre-Ville. Elle passait les jeudis? Tous les jeudis de 18h à 19h. Et puis, je crois qu'en 94 ou 95, je ne me rappelle pas exactement,
On m'a changé le... Le créneau? Non, le... Voilà. L'heure. Donc on m'avait donné un horaire de nuit. Minuit, 8 heures du matin. Donc moi, j'avais pas le choix. Ou j'acceptais, ou je lâchais l'émission au complet. Et est-ce que tu avais une équipe ou... Oui, on avait une équipe. Il y avait Daniel Lapleur à l'époque avec moi. Il y avait Ramzi, un Tunisien qui s'occupait de la sono. Et par la suite, il y avait Aïssa, qui par la suite a fondé une agence de voyage. Ah, Aïssa Lamri. Ouais, Aïssa Lamri. Est-ce que c'était quoi le contenu de l'émission, en général? C'était faire connaître la culture algérienne aux Québécois et essayer de faire connaître la culture québécoise aux Algériens résidant au Québec. Est-ce que tu as eu de l'aide financière? Aucunement. Aucunement, c'est-à-dire que c'est vraiment un travail bénévole? On travaillait, on achetait des cassettes à Jean Talon chez un magasin, chez un Algérien qui avait un petit magasin qui vendait des cassettes, des vidéos, etc. Ou quand j'entendais une cassette dans une voiture avec quelqu'un, je lui demandais, s'il te plaît, passe-la, moi je vais juste l'enregistrer, je te la redonne. Une copie. Ça, c'était les débuts de la radio. Voilà, alors c'était comme ça que je ramassais des chansons que... C'était quoi le nom de l'émission si, Carrefour Maghreb à l'époque. Carrefour Maghreb, donc ça c'est l'une des émissions, disons, précurses. C'est-à-dire... J'avais un Tunisien avec moi à qui j'avais donné 20 minutes. C'était un responsable des femmes tunisiennes au Québec. Donc j'ai donné 20 minutes parce que moi ce que je voulais faire, Carrefour Maghreb, je voulais faire un carrefour avec tout le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Mali s'il le faut. Comme ça, on avait tout le Maghreb, toute l'Afrique du Nord dans l'émission. Et c'était un peu difficile. Maintenant, avec la Libye, une fois j'ai commencé à parler de l'historique, de l'histoire de la Libye, ça l'a fâché, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être que Gaddafi à l'époque était sévère et qu'il ne voulait pas que ses compatriotes parlent du pays à l'étranger, il n'est plus revenu. Donc c'était le premier balbutiement de l'émission, donc pour faire Carrefour Maghreb, c'est ça? Et tu as essayé de regrouper tous les pays d'origine du Maghreb. En 96, j'avais un Algérien qui est venu. Moi, je voulais arrêter. J'étais très fatigué. Alors il m'a demandé si je pouvais lui donner un temps dans l'émission. J'ai dit, je te donne pas un temps, mais je te donne l'émission au complet. C'est qui déjà? Son nom? Avant Salim. Nasser? Je pense que c'est Nasser parce que je ne me rappelle pas bien des noms. Allez, soyez capable. Que c'est devenu Morel Lebes, entre-temps. Allez, soyez des hommes et prenez l'émission. Faites-en quelque chose de meilleur que ce que moi je n'ai pas pu faire. C'est devenu Morel Taxi? Non, Morel Lebes. Devenu Morel Lebes. Morel Lebes avant Taxi Montréal? Non, Morel Lebes et après quelques années après, c'est Taxi Maghreb. Donc c'est les années 97, 98, 99. Donc c'est vraiment les années 2000. Donc ça c'était, comme j'ai dit tout à l'heure, ton émission, c'est-à-dire que tu étais le précurseur au niveau de la radio, il y avait Music à Ben Salem au niveau de... la télévision, le canal 24, il y avait,
Mustapha Chelfi au niveau du journal, Journal Alpha. Donc c'était les premiers balbutements des émissions, c'est-à-dire des médias d'origine algérienne au Québec. Je ne sais pas, est-ce que des fois tu rencontres les anciens ou qui étaient dans les médias ou non? Je sais que tu étais un peu malade, tu as eu beaucoup de problèmes de santé, mais... Le seul dans les médias que j'ai rencontré, c'était Aklet Arab. Et Abdallah. Aklet Abdallah. Ouais. C'est le seul que je rencontrais. Ouais. Aklet Abdallah qui est à Radio-Canada. Ouais. Il était à Radio-Canada après. Oui, ouais. Ouais. Il est encore à Radio-Canada. Donc, ce que je veux dire, voilà, on a essayé de vous faire rencontrer une des personnes, des premières personnes. Dans les médias communautaires, en l'occurrence M. Rachid Ouali, on a essayé de cerner qui est Rachid. En tout cas, vous voyez, il a fait beaucoup de choses au niveau de la radio, il a fait aussi au niveau des associations, lorsque les spectacles, donc il faisait la comédie aussi. Dans les années 92-93, avec une reprise de Baba Tenidoro. Oh, c'était en 94, c'est ça. Donc avec Baba Tenidoro, c'était une reprise de Hassan al-Hassani, l'Aïrmo. Donc ce qui fait ce qu'il a parcouru, puis il est tombé malade et voilà, donc il est en chaise. Aujourd'hui, on laisse la place aux jeunes. Il est en chaise roulante et il dit, comme il le dit maintenant, lui, il a laissé la place des médias donc pour son émission de radio. Il est parti à d'autres choses dans la vie. Et je pense qu'il faut le saluer, il faut saluer le travail qu'il a fait. C'était au moment où il n'y avait personne, il n'y avait rien. Donc on arrive à la fin de l'émission. Et comme à chaque fois, on demande à notre invité s'il a un mot pour la communauté. Le mot de la fin? Le mot de la fin pour la communauté. Je leur dis exactement ce que j'avais dit dans l'entrevue avec l'émission de Tunisien de Hamad Tounsi. Hamad Tounsi, oui. Ahkmou al-Munchar, hattouh b'djih. Et en avant tout. C'est le mot de la fin. Parce que j'ai remarqué, montrer que nous sommes des Maghrébins, des pierres. Voilà, c'est ça qui compte. Donc voilà, c'est le mot de la fin. Il faut, c'est-à-dire, arrêter de scier, ou bien ceux qui ne comprennent pas, donc c'est arrêter de mancher et aller à l'avant. Sur ce, je vous dis bonjour, bonsoir et à la prochaine.